Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. L'État haïtien prend toute disposition pour te patrimonialiser le lieu d'assassinat crapuleux du chef de l'État haïtien Jovenel Moïse. Nous avons déposé une requête en bonne et due forme. Journée jeudi, parti plan SPA, pas joindre aucune réponse. Nous pas joindre aucun signal de l'État haïtien sous requête ça. Côté que nous demandons pour l'État haïtien de prendre toute disposition conformément à la loi pour te transformer le lieu d'assassinat de Jovenel Moïse comme un lieu de mémoire. Ou génération future capable de connaître dans qui condition Jovenel Moïse te joint assassinat et tout objet qui était dans la carrière pour te bailler objet ça yo une valeur muséale et c'était tout un objectif pour Jovenel Moïse joindre une justice historique. Nous avons même genre enquête sur assassinat Jovenel Moïse biaisé, même genre enquête là a patiné en place, c'est même genre instance qui dans l'État, autorité qui dans l'ISPAN, autorité qui dans le ministère de la Culture, ils n'ont pas fait cas de requête ça. Comme crime, Jovenel Moïse. À son crime transnational, nous alerter l'opinion publique nationale et internationale pour nous dire que parti plan SPA déterminé jusqu'à ce que l'État haïtien prend toute disposition pour transformer le lieu d'assassinat de Jovenel Moïse en lieu de mémoire. Nous parlons de ça qui est arrivé Jean-Jacques Dessalines, non? C'est après 40 ans pour te connaître qui Jean-Jacques Dessalines t'a assassiné. Et n'a pas rappelé pour peuple haïtien, Jovenel Moïse t'a assassiné pour conviction, pour rêve que le dégain pour peuple haïtien, pour projet courant. Projet de l'eau potable, projet route que le peuple a te doit bénéficier à travers tout le pays, surtout dans la commune et section communale. Et nous demandons, dans le parti plan SPA, une entraide judiciaire, une entraide internationale, organisation mondiale Cap défendre droit moun yo. Nous mande yo accompagnement dans des massacres. Parti plan SPA a exprimé contentement avec étonnement en même temps. Parce que nous constatons même moun qui était pendant 4 ans, 4 mois, qui t'a assassiné caractère Jovenel Moïse, jusqu'à ce que yo impliqué dans le complot pour assassiner physiquement, je dis à nous content, ouais, c'est eux-mêmes qui a défendu pour le président Jovenel Moïse vienne justice. Ça veut dire qu'on commence à prendre une petite conscience. Même les gens qui t'ont dit, depuis Jovenel Moïse, quitter le pouvoir, Haïti a tourné Manhattan, nous aujourd'hui, ils ont commencé à prendre une petite conscience. C'est eux qui défendent pour le président Jovenel Moïse, jouer une justice.
Nous comptons pour ça. Mais nous étonnés, dans le même sens ça, que c'est même Mounsa et tout, qui a utilisé la même stratégie pour te assassiner le caractère Jovenel Moïse jusqu'à ce que il assassiné physiquement, c'est même Mounsa qui a défini la même stratégie ça pour assassiner le caractère Dr. Ariel Henry jusqu'à ce que pour assassiner physiquement. N'a dit politiciens extrémistes pour changer comportement. Retirer Ariel Henry Jodia comme premier ministre, problème non, après été entier. Parce que problème pays, il n'y a pas un problème politique, son problème foncièrement économique lié. C'est ça que fait. Parti PLASPA a réitéré l'appel au dialogue, à la concertation, au consensus, au compromis historique pour nous arriver à résoudre problème insécurité pays, problème kidnapping, pour mettre d'accord sur un plan global de développement, un document de consensus politique qui pour permettre nous doter pays dans l'autre conseil électoral provisoire, monter une assemblée constituante qui pour proposer à nation un document de consensus politique, ça nous tous capables relayer la constitution et enfin pour convoquer une consultation populaire pour valider le document de consensus politique justement pour élection capable d'arriver, organisée dans le pays et pour le peuple capable de transférer le pouvoir qui n'est là, par les gens qui font confiance sous base d'un programme, d'un projet, d'un plan. Côté collé pour nous sauver la tradition pays. Appel ça a lancé parce que nous constatons que jeudi a une véritable déchéance immonde qui fait que y a une série d'éléments de tradition nous cap disparaître. Donc nous pas souhaiter que le carnaval là, gros mot social, en partie culturelle, pays, t'as lui même passé, d'accord, dans les souvenirs. Parce que nous, ouais, une série d'activités qui t'es qu'on rentrer là et présenter l'identité haïtien, nous, ouais, qui commençait par là. Par exemple, nous prenons question, bah, contre la nuit, bah, ça n'a pas fait encore le pays. Nous prenons, par exemple, Timoun qui t'es qu'on a une série de jouets, que t'es qu'on fait soldat, mamite, jouer marel, ou ensemble de bail comme ça qui disparaît. Et dernier mot, soit nous, chaque année, nous avons hésitation pour faire carnaval. Donc nous disons, allez ça, morceau ça qui est important dans la tradition noire, nous assumer responsabilité nous pour nous former un comité qui est capable de répondre à desiderata masse et peuple ça qui lui-même presque pas de loisir et pour le peuple pas tomber dans l'oisiveté pour que une série de monde yo ignore qui a des responsabilités et la question carnaval. Par exemple, nous prenons cordonnier yo. C'est peut-être dans le moment ça, yo même yo qui a fait sandal, yo qui a foncé de bagaille pour vendre, parce que et pas de l'autre travail qui yo pour ne faire que ça. Donc nous, et bah, ça a commencé à sortir la tradition de ignorer besoin de Mounsa. Nous considérons tout couturier, c'est le moment où jamais, il y a une vaste industrie qui est ouverte, yo même pour yo, et faire des confections pour vendre pour déguisement, Mounsa yo ignoré. Donc portée économique ça, lui-même nous pas qu'à ignorer parce que au monde c'est seul secteur d'activité le gain, c'est carnaval là qui c'est une grande foire artistique côté tout besoin ça yo, si vous voulez yo assouvi ou bien besoin ça yo, yo joine et yo joine et réponse avec sollicitation moun yo gen. Donc le contexte ça nous dit carnaval là qui c'est un élément important fondamental la tradition pays a nous pas capable quitter le passé donc nous assumer responsabilité la mairie de Port-au-Prince pour lui faire carnaval là que nous connaît cap débuter le 27 28 et 1er mars sous thème protocole pour nous sauver la tradition pays. Je dis à c'est une grande occasion pour nous la mairie pour nous présenter le comité qui vient pour réaliser activité carnavalesque qu'a fait dans Port-au-Prince. Nous avons commencé par le président qui c'est Yves Pénel
font un peu plus de la Yves Pinel. Nous avons Stéphanie Douillon, qui est vice-président responsable de relations publiques. Campé Stéphanie. Bonsoir. Jean-Richard Joseph, responsable de communication. Nous avons Ben Constant, qui est responsable logistique. Nous avons Ewol Josier, qui est responsable artistique. Nous avons Michler Josama, qui est Tissounoli Didier Kashkash. Nous avons Marie-Béatrice Jetti Fontilis, qui est secrétaire. Lila. Oui. Comme membre. Nous avons Grégory Jean-Philippe. Nous avons Jude Jean-Pierre. Membre. Nous avons Stevenson Telfort, qui est Atros. Alex Léon. Ivana Josama. Franz Augustin. Tony Maoutier, qui est Tony Mix. Et c'est Mounsayo qui arrive constituer. Comité carnaval pour l'année 2022. C'est un carnaval communal qui a réalisé dans la commune Port-au-Prince. Et c'est une raison qui fait l'État central là dit la baie possibilité avec mairie pour être capable d'organiser le carnaval dans la commune. Pendant 3 jours, la rue, ça veut dire pas encore qu'on choisit pour aller tourner scène. Et j'en ai toujours dit, et nous féliciter magistrat parce que qu'il choisit des professionnels pour réaliser le carnaval. Ça. Un job qui s'est coordonné le carnaval là, au point de vue logistique, sécurité, artistique et tout l'autre bagaille. Sécurité carnaval, naturellement, c'est la police qui toujours gère les affaires sécurité. Mais année ça, qui sont exceptionnelles, faut que c'est tout le monde qui gère la sécurité ensemble à la police. Mais Fondou déjà a un plan de sécurité. Déjà, mais la guette chita avec la police, chita DDO, pour qu'on ait exactement comment la sécurité a bralier. Mais à partir de parcours ou bralouais, comment la sécurité a bralier. Mais Fondou nous fait prêt pour faire sécurité. D'ailleurs, chaque dimanche, dans pré-carnaval, tout le monde déjà ouais et comment déroulement, bah, yo yé. Ok, ça veut dire pendant dimanche là, tout le bagage est bien passé, pas de problème, parce que nous-mêmes nous faisons un travail extraordinaire. Comité a parlé déjà, travail logistique la fête déjà, travail artistique la fête déjà, pour déguiser, mise en scène yo fête déjà, ça veut dire 27, 28, 1er, nous avons parlé pour spectacle. Profitez micro ça yo, pour nous dire transporteur nous yo, même madame yo, presque météo de yo. Yo pa ka manje, yo pa ka travay, yap kidnappe yo, yap boule machine yo, c'est que yo pa konn ki sen pou yo rele. Malgré tout, moun ki ta dwe konprann nou, parce que au sein de la Fédération des Transporteurs Publics Haïtiens, lè nou gen roubik de formation, nou ekri ministère affaires sociales, même gade l va gade nou. Depuis en 2016, maintenant nou en 2022. Ma profite pour montrer population. La Fédération des Transporteurs Publics Haïtiens, l'ICHITA et DGI, dans l'objectif pour le faire comprendre que nous, machine 2007, la Saint-Domingue, nous mettons la poubelle. Comme Haïti, nous avons misé noir. Nous avons une machine de 1985, c'est au même toujours qu'à faire actualité. Nous comptons ça responsable de DGI au fait. Principalement le directeur général et le responsable de l'opération. Libéré même pour machine 1985 sao, pour machine sao, tu as payé au moins 10 à 15 000 goudes pour déclaration définitive d'impôt. Gon bagay l'oublié. Au moins, est-ce que l'aile confortable, le service de l'État, li pa jam wè misère chauffeur yo? Parfois, chauffeur qui a un grand bras du feu là, mais pour sortir petit en ville, river la centre-ville là, chauffeur ça prend n'importe 2 à 3 pannes. Nous sommes capables de faire constat, garder dans la rue pour voir combien de monde qui fait plaque. Sinon, ça qui compte, qui plus ou moins. Yo. Mais on a remarqué que toute la rue n'a pas de plaque la donne. Mais malgré tout, on rencontre chauffeur, parce que le secteur transport, FTPH, pas présent, les syndicalistes. Secteur a pas gagné un problème de SIG.
il y a un problème de monde. Ils ont hypothéqué travail, ils ont condamné transporteur yo côté que yo pour couteau mettre en bas couyo pour y demander au ça ou pas posséder. Gagne qui gagne machine qui gagne au moins 7 ans dans garage, 5 ans dans garage. Nous connait pour qui ça? Parfois c'est problème plate là. Parfois c'est frère, parfois tout. Bon, nous gars ATPC association des transporteurs publics de Carrefour. Eh bien, Centreville là avec pour arriver Carrefour là côté au capacé Matissan. Longtemps nous te qu'on a acheté un petit fresco pour 50 centimes. Les vins passent en goud. Je ne jodi à li passer à combien comme? Li passer à 20. Nous te qu'on a acheté deux rasoirs pour 5 goud. Je ne jodi à un grain rasoir vini 25 goud. Sans nous pas oublier cherter la vie. Nous capable comprendre, yon pile monde en dedans l'état, yo ferme yeux pour ça. Quand vous parlez de gaz autant de yo, quand vous parlez de plaque autant de yo, mais ça qui gère rapport avec transporteur yo, ou ap cherche yo, ou pas joindre yo, ou pas ka circuler. Lor kidnappé yo, ou gon solve kay te gen au moins 4 à 5 si moun nan, ou rale kay la revendre et puis ou vin lagé débat bandier, automatiquement vin yo mort vivant. Ça vin cause que yo nan nou même majorité toujours a dit bon pa prêter Haïti parce que deux par ou même yo mande pou kite pays a. Est-ce que tout moun ka kite pays a? Nous disons non, tout le monde n'a pas quitté le pays. C'est pour raison ça, nous demandons à directeur général de la DGI pour le ressaisir. Mes chers compatriotes, vendredi passé, qui était 11 février 2022, vendredi passé, qui était 11 février 2022, nous avons gagné une belle rencontre de discussion avec nos compatriotes de l'accord Montana. C'est eux-mêmes qui demandent des rencontres là. Comme nous t'attendons ça, nous pas de faire nous prier et nous tous nous participer avec eux à une belle réunion. La réunion a commencé avec 45 minutes de retard parce que des deux côtés, tu as des monde qui t'a gagné quelques retards. 3 heures de discussion. C'est vrai, c'était pas facile, mais dans un esprit républicain, nous faisons une discussion qui était, à mon avis, très fructueuse. Et nous attendons aujourd'hui pour nous rencontrer, pour continuer le dialogue là, continuer la discussion hein, sur la base d'un agenda que nous avons bâti en commun. Nous arrivons aujourd'hui, nous quittons primature d'après ça. Nous dit après 25 minutes, c'est eux-mêmes qui disent. Moi, c'est que, très franchement, il est venu le temps de construire ce pays sur une base de dialogue, sur une base de consensus. Et ça fait qu'on a les 6h43, nous tous nous là, et nous attendons pour nous démarrer avec discussion. Parce que nous sommes de bonne foi. Vous quittez 4h45, c'est vous-même qui dit, les 6h43. Vous quittez à 4h25. Parce que vous dites, etc., vous faites autant pendant 25 minutes. Mais nous-mêmes, nous avons un ami qui l'a depuis 3h30, nous l'a toujours. Les 6h43, nous l'a toujours, nous attendons. La 7h du soir, nous prêté, nous attendons. La 8h du soir, nous prêté, nous attendons Montana. Nous attendons pour nous démarrer la discussion. Nous attendons parce que nous sommes pour le dialogue. N'a pas parce que nous sommes de bonne foi. La 10h du soir, n'a pas tant et nous sommes essayés de dans le téléphone, en pile là-dedans pour nous dire retourner. Parce que nous sommes signataires de l'accord du 11 septembre, nous sommes pour le dialogue. Nous sommes de bonne foi. Nous voulons un consensus largement large pour garantir la stabilité du pays. C'est ça le plus important. On le détail. 80, 85, pareil ça aussi, détaillé. Le plus important, c'est le dialogue interhaïtien. Et nous prenons toute disposition pour rencontrer l'an bien passé. Primatua, même et petit café ou qui te pour nous en dedans. N'attendons parce que le pays a besoin de ça. Nous ne sommes pas capables à virer, tourner, etc. N'attendons, nous sommes de bonne foi.
parce que nous avons besoin de dialogue. Nous avons besoin de dialogue là pour nous capables de garantir un climat politique qui permette que effectivement nous engager le pays dans de bonnes élections. Parce que nous connaissons, soit non-élection, controversée, au départ, eh bien, ça ne va pas arranger les choses. Nous avons besoin de dialogue là pour nous capables de travailler ensemble pour nous mettre sécurité dans le pays. Je dis à la police, besoin de support tout citoyen, toute citoyenne, pour accompagner dans la tâche difficile que nous avons dans le pays qui se mettre sécurité. Nous avons besoin de dialogue là pour nous travailler ensemble, pour nous bâtir un agenda commun en termes de développement pour notre pays. Nous avons tant d'amis, nous qui n'a pas mandat. Parce que nous de bonne foi, on n'a pas fait ti viré, ti tourné, on était là 80, mal à 85, yo pas recevoir, on n'a pas fait ti jouet ça yo. Il faut être sérieux avec le pays. Il est 6h46 maintenant. Nous attendons nos amis de la commandana. Café ou là, paix ou là, nous allons manger ensemble. Parce que vous diafon dialoguer, il faut nous soutenir avec un bagage. Mais attention, attention, attention. Nous sommes des signataires de l'accord du 11 septembre. Il faut qu'on commence. On continue. Eh bien, voilà, je vous attendais, M. André Michel, hier soir, on va connaître si vous été jusqu'à 10h du soir. Là. Non, il n'y a pas de café. Est-ce que nous nous sommes venus joindre nous? Et nous allons prendre rapide, vite, le sénateur Sorel Yassin, qui va dire nos péripéties qu'il fait, mais qui était fait dans le pays, pour être rentré, pour venir chita. Avec mais, moi c'est toujours assemblée constituante nouveau conseil électoral nous a parlé donc et Montana a un agenda parle déjà élection faite déjà donc on commence à passer définitivement entendez sénateur Yassin moi monter au CAI m'acheter l'autre ticket pour rentrer exactement à midi donc pour rencontre. Donc, nous avons une nation qu'on est. Nous-mêmes, le 11 septembre, nous avons sorti une déclaration. Pour nous dire que l'important dans ce que nous vivons là aujourd'hui, pour gagner un marché contre nous, pour gagner un dialogue, une négociation beaucoup plus large, d'autant plus que la section 3, article 4, là, accord 11 septembre, l'immandé pour qu'on négociation et négociation continue. Donc, le dialogue la continue. Donc, l'instant ça, les Montana mandé discussion avec nous, son bagage que nous t'attendons. Et c'est ça qui fait que nous sortis la grandance pour nous venir là. Et nous rentrons là à 3h30. Dans les nations, on connaît que nous-mêmes, les signataires du 11 septembre et le Premier ministre, et nous dire, faut négociation en fait pour nous connaître comment nous braler aux élections. Braler aux élections, d'abord, il y a le CEP, parce que son bagage est capable de comme ça, tout autant qu'on joue un accord large avec tous les secteurs et les partis politiques, les associations, ben c'est le plus bon pays. La question de la constituante, ben c'est ça, un secteur pas arrêté pour compte ou pour faire, que ce soit Montana, que ce soit Penn, et surtout nous-mêmes en septembre. Tout autant de marchés contrés pour nous jouer un accord sous ça, il n'y a pas encore mieux. La question de l'organe de contrôle, ben c'est qu'il faut le faire. Et eux-mêmes, ils sont capables d'ajouter, point par eux. Parce que l'OAB dialogué, accent vignien, ce n'est pas sans sortir. Parce que chaque monde qui a venu, pour être input par eux. Donc, en ce sens, les nations qu'on est. Nous-mêmes, nous là pour nous dialoguer. Nous là pour nous négocier. Et nous pas besoin ni arrogance avec personne. Donc, nous croyons que nous là, nous attendons. Et nous sûr et certains négociations à continuer. Donc, tant qu'on est bon, c'est pour question d'heure. Parce que dans la première réunion, on pas là, tu as gagné un décalage de 45 minutes. Dans la deuxième réunion, des deux côtés, tu as des gens qui peuvent convenir. Donc, on parle, comment pour demander un bagage long main et puis pour refuser long main. Des deux côtés. Donc, dans ce sens-là, demander Montana, quoi que capable de peut-être une stratégie de négociation, je comprends. Mais nous-mêmes, en septembre, nous l'attendons et nous croyons que ces négociations-là qui pouvaient une solution définitive pour arriver aux élections. Et surtout, la question de sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Merci.